Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Nous sommes heureux de vous retrouver avec notre invité, le révérend Raoul Wafo, un homme passionné par Dieu. J'aime ta passion pour Dieu. On est heureux de te retrouver dans cette deuxième journée, dans cette semaine où on parle de destinée et de destinée prophétique. Bah ouais, c'est un plaisir d'être là et de partager ce moment avec tous les téléspectateurs et tous les internautes. C'est juste fabuleux. Gloire à Dieu. Et je vais vous partager un témoignage qu'on a reçu. C'est Ézéchiel qui nous l'envoie. Et il dit « Je voudrais rendre gloire à Dieu pour un miracle opéré dans la vie de ma mère. En effet, lors d'une séance de prière inspirée du vendredi 10 mai, le pasteur Jérémy, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a demandé de s'auto-imposer les mains pour les personnes qui souffraient de paralysie. Je me souviens en effet de cette émission. Ma mère Catherine souffrait de douleurs aux pieds depuis près d'un an qui l'empêchaient de se déplacer correctement. Elle a cru à cette parole. Et aussitôt, l'esprit de guérison l'a saisie. Elle fut automatiquement guérie et se mit à sauter et à courir dans la maison, proclamant les louanges du Seigneur toute la nuit. Elle me charge de bénir toute l'équipe de MCI et moi-même. » Alors, on veut glorifier le Seigneur pour cela et déclarer également que si vous souffrez de douleurs, que ce soit des douleurs aux pieds, aux genoux, aux jambes qui vous empêchent de vous déplacer normalement, nous voulons vous rappeler les merveilles de notre Seigneur, celui qui, avec une simple parole, avec une simple foi, la foi comme celle d'un enfant, il veut vous relever aujourd'hui et nous déclarons au nom de Jésus-Christ que toute personne qui était empêchée de marcher, toute personne qui boitait, toute personne qui souffrait et vous aviez des douleurs pour vous déplacer, ça devenait difficile, nous proclamons la guérison divine maintenant. La guérison de vos pieds, de vos jambes, de vos genoux, au nom du Seigneur Jésus-Christ, le col du fémur, au niveau du tibia, le péroné, tout est guéri par la puissance de Dieu. Nous parlons la vie aux nerfs, aux muscles, aux tendons, dans le nom du Seigneur, aux os. Alléluia, alléluia. La gloire du Seigneur maintenant est libérée pour apporter la guérison. Et quel que soit ce que vous avez, quelqu'un dit « Oui, mais moi, j'ai pas de problème pour me déplacer. » Mon problème, c'est l'arthrite. Mon problème, c'est un autre souci. Il y a une personne qui a un problème. Vous êtes une femme, bien sûr, et vous avez un problème aux ovaires. Et maintenant, le Seigneur Jésus-Christ vous guérit. Alléluia. Dans cette intimité, il enlève maintenant. Il y a des kystes qui disparaissent par la puissance de Dieu. Maintenant, son amour dure à toujours. Et vous pouvez le remercier pour son amour maintenant. Alléluia. La grâce d'être aimé par lui. Oui, nous avons vu hier que il nous a aimés, il nous a choisis. Et aujourd'hui, nous voulons parler de cette prédestination. C'est un mot parfois qui fait peur. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous a prédestinés? Bien, il est écrit, Romains 8, versets 29 à 31, c'est notre texte de base cette semaine. Car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Amen. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si je simplifie, prédestiné veut dire que Dieu nous a préparés pour une destination. Il y a donc un mandat, il y a une destination, il y a un but, il y a une raison pour laquelle chacun d'entre nous existe, dont Dieu nous a prédestinés, nous a préparés pour ça. En fait, et ça, c'est vraiment important que nous puissions le comprendre. Chacun d'entre nous a été préparé à une tâche, à une œuvre, à un but spécifique que personne d'autre sur cette terre ne peut faire avec autant d'excellence, avec autant d'exploit, avec autant de gloire que toi. Donc, il y a quelque chose qui est rattaché à ta vie et c'est important pour toi de le réaliser, vraiment important. Gloire à Dieu pour tous les hommes qui ont existé. Gloire à Dieu pour Abraham, pour Isaac, pour Jacob. Gloire à Dieu pour le prophète Jérémie. Gloire à Dieu pour nos contemporains. Mais il y a quelque chose qui est rattaché à ta personne. Il y a la chose pour laquelle Dieu t'a préparé de spécifique qui est donc le mandat divin rattaché à ton existence. Et ça, c'est justement cette prédestination rattachée à ton identité. Regardons ce que la Bible dit dans Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, 10, car nous sommes son ouvrage. Ce que la Bible dit, nous sommes son ouvrage. Ça veut dire qu'il est le maître d'ouvrage. Ayant été créé en Christ Jésus, d'autres personnes parlent de récréer en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, voyez-vous, afin que nous les pratiquions. Ça veut dire qu'il y a des œuvres qui sont rattachés à l'ouvrage que tu es, à l'ouvrage que je suis. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, il y a des choses
que Dieu a préparé, il y a quelque chose qui est rattaché à ta personne que Dieu attend que tu fasses. Et c'est pourquoi, justement, nous devons considérer, justement, que notre vie n'est pas au hasard. Il y a une prédestination. C'est la raison pour laquelle certaines personnes parmi nous, quand nous sommes nés, c'était mon cas, à l'hôpital, nous étions 15, ce mois-là, il y a une épidémie qui a frappé. Mais comme j'étais prédestiné, comme il y avait la main de Dieu rattachée à ma vie, les 14 sont morts, mais moi j'ai survécu. On voit la naissance de Jésus, comment est-ce qu'il est pourchassé, mais il est préservé. Comment Moïse à sa naissance, il y a d'autres qui meurent, mais il est préservé à cause de la prédestination. Donc si tu as survécu à tout ce que tu as survécu, c'est parce qu'il y a derrière une main divine, une main invisible, justement, qui était en train de te couvrir parce que tu étais préparé à un but précis. Et si le diable te combat, généralement, c'est parce qu'il a vu briller ton étoile. C'est parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de grand qui doit sortir au travers de toi. Ça peut paraître petit aux yeux des hommes, mais Dieu ne fait rien de petit. Même si à l'apparence, ça paraît petit, tout ce que Dieu fait est grand. Même quand à l'apparence, je dis encore, aux yeux des hommes, ça peut paraître insignifiant. Il y a une grandeur qui est rattachée au mandat divin, justement, qui se rattache à ton identité et à ta personne. C'est pourquoi, en commençant cette émission, le prophète a prié pour la santé divine, pour la restauration de ta santé, de tes membres, de ton corps. Pourquoi ? Parce que ton corps, ta personne, si tu es un ouvrage divin, et si tu n'es pas en bonne santé, tu ne pourras pas accomplir le mandat de Dieu rattaché à ton existence. La santé divine que Dieu te donne, ce n'est pas pour te livrer au vice, ce n'est pas pour vivre selon les desseins et sous la gouvernance de Satan. Non, c'est pour glorifier Dieu dans ton corps, que ton corps glorifie Dieu. C'est pour ça que tu reçois la force, l'énergie, les ressources et tout ce qu'il y a, c'est parce qu'il y a une prédestination rattachée à ta vie. Et le prophète Jérémie l'a compris, il écrit, Jérémie 29, versets 11 à 12, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous. » Donc, vous voyez, il y a des projets rattachés à ta vie. Donc, en d'autres termes, tu es une entreprise divine, puisque Dieu dit, il connaît des projets rattachés à ta vie, dit l'Éternel, « Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. » Ça, c'est extraordinaire. De vous donner un avenir, ça veut dire qu'on a un avenir en Dieu. Nous donner de l'avenir et de l'espérance. Et cette espérance-là, c'est une espérance qui surpasse toute espérance. C'est-à-dire au milieu des tribulations, au milieu des batailles, au milieu des combats, au milieu de l'adversité, au milieu de la guerre, au milieu de la famine, de la nudité. Non, il y a une espérance. L'espérance est laquelle ? Nous sommes un projet de Dieu. Et comme Dieu n'échoue pas, justement, dans ce qu'il initie, donc tu iras jusqu'au bout, parce qu'il y a un mandat rattaché à ta vie. Tu es une personne de prédestinée. Donc, il n'y a pas de fatalité. Non, du tout. Pas du tout. Non. Tu es prédestiné et nous verrons plus tard cette semaine que tu as quelque chose à faire. Il faut répondre justement à cet appel adressé à ta vie afin que les glorieux plans, le glorieux projet divin, justement, arrive à perfection. Car tu n'es pas un robot entre les mains de Dieu. Non, tu es une personne avec une libre conscience, avec une libre volonté. Mais engage ta volonté, justement, pour épouser le schéma glorieux de Dieu. Et je vais te dire, cette semaine, pendant que nous prions aujourd'hui, tu vas te rendre compte de quelque chose d'extraordinaire. Les connexions divines surnaturelles, les rencontres exceptionnelles que Dieu va orchestrer, programmer, simplement parce que tu as pris conscience de la prédestination. Souvenez-vous que la mère de Moïse, regardant son fils, elle vit qu'il était beau. Et elle refusa de succomber à l'ordre qui avait été donné par Pharaon. Elle prit l'enfant, elle alla déposer au bord de la mer. Et à cet endroit, est venue se baigner la fille de Pharaon qui s'est rendue compte justement de la beauté de l'enfant aussi et qui a préservé cet enfant. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une prédestination. L'homme qui avait pris le décret allait héberger finalement Moïse dans sa propre maison sans se rendre compte que il était justement en train d'héberger la personne qui demain allait justement faire tomber son système. Voilà, donc, parce qu'on est prédestiné, il n'y a aucun système diabolique qui pourra arrêter justement ta course. Impossible. Toutes choses vont travailler pour ton bien. Même les décrets qui sont pris dans la société, à cause de la prédestination, il y a justement cette main invisible, divine, qui va travailler en ta faveur et te permettre ainsi justement de survivre justement à toute forme de calamité. C'est pourquoi, à cette étape, avant qu'on continue, je voudrais vraiment prier pour toi et ensuite on va rendre grâce à Dieu. Père, au nom suprême de Jésus, je prie pour toute personne connectée en ce jour à cette émission, demandant que tu ouvres l'intelligence de chacun d'entre nous, que ces paroles entendues ne soient pas simplement de simples phrases, mais que la révélation de la prédestination
Oh Dieu, soit communiqué à chaque personne dans son esprit. Au nom suprême de Jésus, que chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque personne, Seigneur Dieu, prenne conscience, éternel, de la prédestination. Afin, oh Dieu, que nous puissions, chacun d'entre nous, engager nos âmes, engager nos cœurs sur le chemin, Seigneur Dieu, d'obéissance au projet divin que toi-même tu t'es formé, afin que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Que ton nom soit glorifié. Nous voulons te rendre grâce. Toi qui as commencé cette belle œuvre, c'est toi qui l'as commencé. Tu seras la parfaite. Tu seras parfait cette œuvre. Tu seras la parfaite. Si tu es pour nous, personne ne saura être contre nous. Personne ne pourra, car nous sommes ton projet, nous sommes ton ouvrage. C'est toi qui nous as conçus, c'est toi qui nous as façonnés, c'est toi qui nous as formés, c'est toi qui nous as donné d'exister sur terre. Père, déploie ta main puissante, déploie ton bras étendu, relâche ta gloire, afin, oh Dieu, que toi qui nous as donné une forme, toi qui nous as donné un mandat, toi qui as orchestré des projets, nous puissions voir la manifestation de ta fidélité extraordinaire démontrée au travers de nos vies par ta force au nom suprême de Jésus. Oui, Père, on te remercie. Alléluia, on te remercie pour les destinées. Oui, Seigneur. Oui, nos destinées sont dans tes mains. Merci, Père, pour l'appel. Merci parce que tu nous as appelés vers une destination. Et sur cette destination et sur ce chemin, Père, nous savons que beaucoup sont comme des aveugles en tâtonnant. Alors que tu les as appelés à voir et à voir clairement, je veux te remercier, Saint-Esprit, de ta présence en nous. Tu as fait de nous ton temple. Tu ne nous as pas laissés seuls, mais tu as déclaré que tes brebis entendent ta voix et elles la reconnaissent. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Et merci pour ta présence dans nos vies. Merci parce que tu veux nous diriger, parce que tu veux nous parler, parce que tu ne veux pas nous laisser dans le chaos, la destruction, la désolation, dans les ténèbres. Mais tu es venu et la lumière est venue. Elle a paru et certains ne l'ont pas reconnue. Mais nous, nous avons connu que tu es la véritable lumière, celle qui est venue dans le monde. La lumière et la gloire qui est venue du Père pour se manifester à nous. Père, nous te glorifions, nous te remercions parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Et je veux prier pour toutes ces personnes qui sont aujourd'hui dans la confusion. Ce n'est pas normal. La confusion n'est pas leur partage. Amen. Ils n'ont pas à marcher comme des aveugles en tâtonnant. Mais Seigneur, tu leur as donné le Saint-Esprit pour qu'ils soient dirigés, pour qu'ils puissent fonctionner avec cette fonction extraordinaire que tu as déposée dans leur esprit, le témoignage intérieur, l'intuition, la conscience. Et je prie, Père, pour les révélations dans ta parole et à cause de ce temps de prière, pour que ton peuple puisse marcher avec des yeux qui sont ouverts, avoir des oreilles qui sont ouvertes, Seigneur, pour entendre et pour voir ce à quoi tu les appelles, pour qu'ils puissent toujours marcher au cœur, Seigneur, de leur appel, de leur destinée, qu'ils puissent aller dans cette destination. Alléluia. Juste partager avec vous ce passage dans Matthieu, au chapitre 26, au verset 17, il est écrit « Le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître dit, « Mon temps est proche, c'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. » Et la Bible parle dans un autre évangile encore qu'ils ont vu cet homme qui portait une cruche et ils ont été dans sa maison. Oui, nos destinées sont dans ses mains. Et aussi vrai que Jésus-Christ savait quelle était sa destination, aussi vrai aussi il pouvait amener ses disciples dans une destination, il saura vous diriger dans votre destinée. Faites-lui confiance alors que vous écoutez la parole de Dieu aujourd'hui. Et justement, la Bible dit qu'il nous a prédestinés à être semblables à l'image du premier fils. Et dans semblable à l'image de Jésus. Et quand on étudie sa vie, on se rend compte que Jésus avait découvert très tôt, justement lui-même dans les Écritures, il dit aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'est accomplie. Et il passait tout le temps à vivre selon ce qui était écrit. Donc il y a déjà, justement dans l'ouvrage de Dieu, des écrits au sujet de chacun d'entre nous. Donc Dieu l'a écrit et le psaume 139 parle, justement, David comprend et il dit, lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était déjà tout inscrit, les jours de ma vie avant qu'aucun de n'existât. Donc il y a déjà des jours écrits d'avance par la main de Dieu. Et donc quand on est prédestiné, on vit des choses extraordinaires. Imaginons un enfant qui arrive dans une famille, pendant que tous les voisins sont en train de mettre des enfants à mort, l'enfant est préservé, l'enfant est amené au bord du Nil, l'enfant est hébergé dans la famille de Pharaon. Et ensuite, la mère de l'enfant est
payé par le palais pour allaiter l'enfant. Et je suis sûr que les travaux de rénovation sont faits dans la maison parce qu'elle devient la nourrice attitrée du palais. Donc il y a des chevaux du palais qui viennent donc maintenant à Gotchen, dans une famille précise, voir, rendre visite à la mère pendant que tout le monde pleurait à côté. Elle, dans sa maison, il y avait des gardes, elle était protégée parce que dans la maison était un héritier du palais qu'elle nourrissait alors que cet héritier n'était que son propre enfant. C'est extraordinaire. Amen. Les faveurs glorieuses qu'on peut vivre quand on est prédestiné. Et c'est pour ça que je veux donc demander sur ta vie, appeler sur ta vie la manifestation de ces faveurs, que tu vives des faveurs extraordinaires au point où les personnes qui vivent dans les mêmes conditions que toi te regardent et ont l'impression que tu as mis ta main quelque part. Non, c'est pas que tu as mis ta main quelque part, c'est que tu es favorisé par le vent divin qui souffle sur les voiles de ta destinée et qui t'amène à bon port. Oui, tu iras à bon port, tu n'auras pas une destinée avortée. Non, tu iras à bon port au nom suprême de Jésus. Que Dieu maintenant, par sa puissance glorieuse, selon qu'il est écrit dans sa parole, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, que lui, il te donne de prendre conscience toi-même maintenant de la prédestination et que tu t'engages maintenant à ce moment où tu écoutes ma voix. Je dis bien maintenant que tu arrêtes tout et que tu t'engages à retrouver le couloir. Jésus l'a fait à 12 ans, il est allé au temple avec ses parents et dit laissez-moi m'occuper des affaires de mon Père. Il a découvert à 12 ans, tu n'es pas trop jeune. Tu n'es pas trop jeune, tu as 15 ans, ce n'est pas le moment de t'amuser. Tu écoutes cette parole, arrête-toi et puis pense au plan divin. Tu as peut-être 80 ans, tu te dis, il est trop tard, il n'est pas trop tard. Arrête-toi et pense au plan divin. Si maintenant que tu entends ces paroles, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de te dire. La cloche a sonné pour que tu retrouves maintenant justement cette voie divine tracée d'avance et que tu y entres. Il n'est pas tard. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ta raison d'exister, c'est pour ça que le diable te combat. C'est pour ça que tu as toutes les batailles que tu as. Mais une fois que tu vas dire oui, Seigneur, j'ai dit oui, Seigneur, à ton appel, j'ai dit oui, Seigneur, à ta volonté, tu vas te rendre compte de choses incroyables qui vont se produire. Et je prie pour toi, afin que le ciel s'ouvre sur ta vie et que tu entendes, comme Jésus le premier-né dans tes plusieurs frères, cette voix qui te dit celui-ci ou celle-ci est mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, sur qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. C'est extraordinaire. Quand nous entendons les voix de Dieu, nous réjouissons le cœur de Dieu, nous avons l'intention de Dieu et tout se met en marche justement pour nous porter justement vers les cimes justement de cette montagne de sa gloire. Qu'il en soit ainsi pour toi. Tu n'es pas au hasard. Celui qui a commencé cette belle œuvre en toi, il saura sûrement la parfaire. Et s'il y a quelque chose dans ta vie, que ce soit le manque d'argent, que ce soit la maladie, je voudrais vraiment prier maintenant et demander au nom suprême de Jésus que les chaînes de la captivité qui t'empêchent de te déployer en ce qui concerne ta prédestination soit totalement brisée au nom suprême de Jésus. Que les voiles dans tes yeux qui t'ont obscurci, ça peut être le voile de la religion, de la tradition, des coutumes, que ces voiles soient brisées au nom suprême de Jésus. Ça peut être le voile, les chaînes de qui occultent aujourd'hui cette jeunesse et qui empêchent d'entendre la voix de Dieu. Ça peut être la drogue, l'alcool, le sexe et toutes ces choses, les choses semblables qui livrent une guerre à ton âme, qui ont pris en captivité ta chair. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que la liberté soit ta portion et que tu marches glorieusement. Tu vas servir au dessein de Dieu. Rien n'empêchera cela. Tu vas le servir. Alléluia. Tu vas servir au dessein de ton Dieu. Il y a une destination qui a été préparée pour toi. Tu vas y aller. Tu n'es pas été créé pour que l'université décide de ce que tu deviendras. Non. Tu es en plan. Il est en schéma. Il est probable que peut-être que tu es allé en totale opposition avec le plan conçu. Maintenant que tu as entendu la voix de Dieu, il n'est pas tard. Il n'est pas tard. La main de Dieu te ramène. La main de Dieu te réconduit. Tu peux être peut-être ton médecin. Et puis Dieu dit, tu es ton pasteur. Oui, mais pourquoi pas? Réponds à l'appel. Dieu t'a formé pendant longtemps là, mais il y avait un plan. Moïse n'est pas resté éternellement chez Pharaon. Quand l'heure a sonné, il a dû quitter la maison de Pharaon pour aller justement vers la destination qui était la sienne. Il était le libérateur du peuple juif. Pendant ce schéma, il y a tellement d'escales. Tu n'es pas encore entré. Il y a tellement d'escales. Tu es en escale là maintenant et tu prends conscience. Il est temps pour toi de répondre et de continuer ta marche. Ne t'arrête pas là. Le plan de Dieu est tellement glorieux, tellement grand, tellement puissant qu'il faut accepter de te soumettre justement, comme l'a dit le prophète, à la voix de l'Esprit de Dieu et d'obéir et de faire simplement sa volonté. Tu verras donc des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Dieu va le révéler par son Esprit pour amener justement ce beau plan à manifestation. Que Dieu bénisse ta vie. On est encore ensemble, prions ensemble, continue de prier. Rends grâce à Dieu pour ta vie. Rends grâce à Dieu pour ta vie. Élève ta voix vers le Saint-Trône de sa grâce. Rends grâce à Dieu pour ta vie. Déclare à haute voix dans ta maison, Père au nom suprême de Jésus,
Je vais te rendre grâce pour ma vie. Je sais que je suis prédestiné. Je lève mes mains vers ton trône. Merci au Père de m'aider à accomplir le plan, de m'aider à entrer dans le schéma préconçu par le ciel. Je déclare sur ma vie que je ne mourrai pas avant mon heure. Je ne mourrai pas sans accomplir les plans divins. Non, je refuse, je refuse. Je refuse de quitter la terre sans avoir servi au dessein de Dieu. Car je sais, ô Père, que ton désir pour moi, c'est que je serve au plan que tu as arrêté. Je ne me suis pas créé moi-même. Tu m'as créé, mon Père. Je veux servir à tes plans. Je veux servir à tes desseins. Je renonce, éternel, à une vie de désobéissance, à une vie qui est braquée. Non, je ne veux plus vivre cette vie-là. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, tiens-moi la main, conduis-moi vers ce plan, vers ce schéma, vers cette destination que tu as réservée d'avance pour ma vie. C'est le désir de mon âme, c'est le désir de mon cœur. Je veux que ma vie soit utile, que ma vie te soit utile, qu'elle soit utile à ma génération. Prends ma vie, fais-en ce que tu veux. Je suis ton ouvrage, je ne contesterai pas avec toi, car ta parole déclare que le vase ne conteste pas avec l'argile, ne conteste pas avec le potier. Je suis moi, éternel Dieu, l'argile entre tes mains. Fais-moi ce que tu veux. Tu es le potier de ma destinée. Donne-moi la forme qui te convient. Ô Père, merci. Merci. Je rentre dans tes plans maintenant au nom suprême de Jésus et je déclare sur ma vie qu'elle ne sera plus jamais ce qu'elle a été de par le passé. Je crois, Seigneur, de tout mon cœur qu'aujourd'hui, ô Père, tu me donnes de retrouver le sens de ma destinée au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et dans Actes 9, 3, il est écrit « Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. » Et il y a parfois des choses dans nos vies, comme tu l'as dit, qui quelque part persécutent notre destinée, persécutent ce que Dieu voudrait faire à travers nous. Ce sont ces choses, il a été dit, le sexe, la drogue, etc., l'orgueil, toutes sortes de choses, l'amour de l'argent, toutes sortes de choses qui sont là dans nos vies et qui, quelque part, sont en train de persécuter notre destination, qui sont en train de persécuter notre destinée. Il était sur le bon chemin, il allait vers la bonne destination, mais il y avait des choses en lui qui l'empêchaient de voir comme le Seigneur voulait qu'il voie. Et lorsqu'il est tombé tout tremblant devant le Seigneur, comme dans un acte de repentance, le Seigneur lui a dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Et j'aimerais vous dire que lorsque vous vous repentez, lorsque vous demandez pardon au Seigneur et lorsque vous changez d'attitude intérieure dans un état de soumission à Dieu, Dieu vient vous dire « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Oui, le Seigneur dit « Lève-toi, entre dans ta chambre et on te dira ce que tu dois faire. Je te dirai ce que tu dois faire. » Il y a quelqu'un aujourd'hui qui se soumet à Dieu. Il y a quelqu'un qui se repent d'avoir marché dans le péché, d'avoir marché loin du Seigneur ou d'avoir été le maître de sa vie. Et le Saint-Esprit est en train de te dire « Lève-toi, va dans la chambre de prière et là, je vais te parler. » Le Seigneur va te parler, mon frère, ma sœur. Il va te ramener non seulement dans la destination, parce que tu étais peut-être dans la bonne destination, mais il va ramener en toi un nouveau cœur, de nouveaux motifs, de nouvelles motivations, afin que tu ne sois pas à côté du plan que le Seigneur avait écrit à l'avance pour toi. Bien, je voudrais aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été sous la séduction des prophéties, que leur sont adressés, un prophète t'a rencontré, il t'a dit, Dieu t'a appelé à être prophète, abandonne tes études, Dieu t'a appelé à épouser X ou Y, il faut faire attention. Dans la nouvelle dispensation, dans la nouvelle alliance, nous sommes conduits par le Saint-Esprit et non par les prophètes. Il faut faire très attention. Il est donc important d'avoir une vie, une intimité avec Dieu, d'écouter la voix du Saint-Esprit. Comme Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent et ne suivent pas une voix étrangère. Je veux donc parler sur ta vie maintenant et demander que toutes les voix étrangères soient muselées. Amen. Que la capacité justement de ton esprit à écouter distinctement la voix du Saint-Esprit te soit communiquée en ce jour. Tu entendras Dieu. C'est une promesse d'alliance. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc que tu entendes cette voix et que tu suives le Seigneur. C'est vrai qu'à des moments précis, ça peut paraître difficile parce que tu avais déjà un schéma, tu avais déjà un plan. Mais bien attention, il faut retrouver son plan, il faut retrouver son schéma. Si tu entends dans sa voix, n'endurcis pas ton cœur comme au jour de la révolte. Il faut donc entrer dans ce plan. Peut-être tu as l'impression que tu es incapable d'accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé. N'oublie pas, c'est lui qui te rend capable. Ce qu'il te demandera de faire va souvent sembler être au-dessus de ce que tu es capable de faire
faire par toi-même. Abandonne-toi entre semaines d'abord et tu vas découvrir que tu es bien plus grand que ce que tu imagines, bien plus glorieux que ce qu'on voit. Dieu va faire émerger au travers de toi les choses les plus incroyables, les plus sublimes et les plus belles. Et ta vie sera donc un témoignage et le jeu puissant, glorieux de la démonstration de sa grandeur, la démonstration de sa fidélité au nom suprême de Jésus. Peut-être que tu vis dans la disette, peut-être que le rêve qui est rattaché à ta vie va demander beaucoup de moyens. Ne t'inquiète pas, Dieu pourvoira à tes besoins selon sa richesse, selon sa richesse. Une fois que tu entres dans ses plans, il met à disposition tout ce qu'il faut pour que tu accomplisses le mandat, l'appel qui t'a été adressé. Jésus ne savait pas prier, Jésus n'était pas allé à l'église, Jésus ne savait pas parler en langue. Quand il était couché, et puis les mages sont venus parce qu'ils ont vu l'étoile, ils sont venus déposer les trésors à ses pieds. Alors, en ce qui concerne ton appel ou la prédestination rattachée à ta personne, il y a des trésors qui sont là, qui attendent justement que tu fasses un mouvement dans ce sens-là. Et tu vas te rendre compte, tu vas être surpris de combien glorieux sera ta vie. Mais eh bien, comme l'a dit le prophète, il est important de garder ton cœur pur. Garder ton cœur pur. Il ne faut pas entrer dans ce plan justement pour avoir un nom, pour avoir une réputation, pour être connu des hommes, pour être respecté par eux. Il faut rentrer dans ce plan pour servir le cœur de ton Père, pour justement être entre ses mains l'instrument qu'il a préconçu que tu sois sur cette terre et dans ta génération. Et tu vas te rendre compte que tu vas découvrir une autre saveur de la vie. Le manteau de ta personne, de ton identité, retrouveront d'autres couleurs. Au lieu de vivre une couleur vie en noir, habillé blanc, tu vivras une vie en HD, colorée des couleurs divines et ta vie prendra de l'éclat car nous sommes dans son plan la lumière du monde et cette lumière ne doit pas être cachée, n'est pas faite, pas être mise sous la table, mais sur la table afin qu'elle brille. Que ta vie prenne donc maintenant de la hauteur et que ta vie puisse être un canal de gloire, un canal de gloire pour d'autres vies. Justement, on y parlera. C'est pourquoi il y a un appel rattaché à ta vie, parce que effectivement, tu es prédestiné. Alléluia, gloire à Dieu, merci révérend. Et je voudrais effectivement venir contrer à nouveau ces esprits prophétiques mensongers. Avec cette parole de l'Écriture, je retrancherai du pays les noms des idoles afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Si un homme prophétise encore, il arrivera que son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront « Tu ne vivras pas car tu as dit des faussetés au nom de l'Éternel ». Et son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront quand il prophétisera. En ce jour-là, il arrivera que les prophètes auront honte de leur vision, chacun pour sa part quand ils prophétiseront. Ils ne revêtiront plus un manteau de poil afin de tromper. Et oui, si vous avez entendu des voix mensongères, des esprits mensongers, des esprits de séduction, nous voulons maintenant contrer ces esprits par la parole de Dieu et nous déclarons que cette parole, elle vient vous laver comme une eau pure. Vous êtes purifiés dans votre esprit, là où il y a eu des esprits de séduction, des esprits de tromperie, de manipulation. Le nom du Seigneur Jésus-Christ est maintenant proclamé sur vous. Et il y a vraiment une révélation, une illumination sur plusieurs personnes maintenant. Vous avez cru des mensonges et ça a produit toutes sortes d'obstacles dans votre vie, dans votre destinée. Et le Saint-Esprit maintenant vient non seulement révéler ces esprits impurs, mais les mettre à nu et ils sont maintenant sans puissance. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à ces esprits d'impureté, ces faux esprits mensongers et séducteurs de vous libérer maintenant, de quitter votre vie maintenant dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, de débarrasser votre vie au nom de Jésus. Gloire à Jésus-Christ. N'hésitez pas à témoigner de ce que vous avez vécu. On va se retrouver, frères et sœurs, demain dans Prière Inspirée. Nous vous bénissons. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'émission Prière Inspirée est un véritable ministère de prière qui rejoint chaque jour des dizaines de milliers de personnes partout dans le monde. Les gens sont délivrés, guéris, sauvés et transformés par la puissance de Dieu. Oui, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Aujourd'hui, je veux vous encourager à rejoindre les 8000 personnes, 8000 partenaires qui vont amener EMCI TV dans une nouvelle dimension. En rejoignant les partenaires, vous permettez à ces milliers de personnes d'être sauvés, édifiés et transformés par la puissance de Dieu. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.